Massage sexuel, comment masser son pénis en 3 étapes. Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur cette chaîne où je parle de sexualité et de couple. Je suis Jessica Pirbé, je suis sexothérapeute et coach en sexualité. J'accompagne les femmes à être des sex goddesses, des femmes initiatrices pour être irrésistibles et le rendre accro. Alors, d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien évidemment à télécharger le guide gratuit Sex Goddess que j'ai mis dans la description de la vidéo. Vous le retrouverez aussi dans le petit i en cliquant au-dessus de la vidéo. Voilà, par là. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la pépite que je vous réserve, c'est un petit secret, mais je pense que vous allez adorer. Alors, la première chose, comment masser son pénis? Bien évidemment, mesdames, l'idée, c'est de ne pas aller directement sur son pénis, mais d'ouvrir tout son corps. Donc vous allez commencer par le masser. Le masser tranquillement, masser le ventre, masser le haut de la poitrine, masser les cuisses en douceur, lentement, sensuellement, pour vraiment commencer à l'ouvrir. Vous pouvez aussi vous mettre toute nue pour pouvoir masser avec votre corps. Et ça va être intéressant. Un espèce de body-body. Vous allez pouvoir masser avec votre poitrine, jouer avec vos cheveux, jouer avec votre souffle, pour pouvoir vraiment commencer à l'émoustiller et pour que son sexe, en fait, gonfle tout doucement. S'il ne gonfle pas, il n'y a pas de problème, c'est tranquille. On est là pour prendre le temps et pour lui faire vivre un voyage. Et puis ensuite, vous allez vous connecter à son sexe. Ça veut dire quoi, vous connecter à son sexe? N'oubliez pas, mesdames, que le sexe d'un homme, c'est son membre sacré, c'est son trésor, c'est son signe de virilité, c'est aussi sa puissance d'homme. Et donc, plus vous allez vous connecter à lui, plus vous allez l'aimer, plus vous allez le chérir, plus vous allez lui donner de l'amour, et plus vous allez le rendre aussi accro. Donc, vous allez d'abord vraiment fermez les yeux et vous connectez à lui, le prendre dans les mains. Et vraiment ressentir, honorer ce sexe, donnez-lui de l'amour à ce sexe. Vous pouvez aussi penser à tout ce que vous avez envie de lui faire. Parce que vous allez mettre une intention dans vos mains. Une intention qui va être vraiment une intention peut-être de désir, une intention d'amour, une intention de guérison. Enfin, ce que vous avez envie de mettre dans vos mains et que vous avez envie de lui transmettre. Et puis la troisième étape, c'est bien évidemment masser son sexe. Des testicules, en partant d'ailleurs des testicules et en allant vers le frein, vers le cou du pénis, vraiment délicatement, lentement. Vous pouvez jouer avec des mouvements fermes, vous pouvez jouer avec le souffle, vous pouvez jouer avec vos doigts. Vraiment, soyez créative. Soyez vraiment créative pour le surprendre et pour lui donner un maximum de sensations, pour le faire vibrer et l'emmener vraiment au 7e ciel. Parce que là, mesdames, déjà, vous allez le surprendre parce que peu de femmes savent vraiment masser le sexe d'un homme. Peu de femmes vont savoir lui donner des sensations différentes sur le sexe. Très peu, voire pas du tout en fait, sauf vous qui regardez cette vidéo. Et vraiment, ça va l'émoustiller et il va durcir, son sexe va durcir lentement. Vous allez sentir son désir. Lui va sentir que waouh, il est en train de vibrer. Ça peut servir de préliminaire, mais ça peut aussi être simplement un teasing pour le préparer à la future nuit. Voilà. D'ailleurs, je vous ai mis ma technique spéciale que je fais avec mon partenaire. Je vous la mets dans la description de la vidéo. C'est une pépite, ça dure à peu près 20 minutes, oui, 20 minutes de délicieuse pratique où je vous explique tout, voilà, où je vous montre tout avec des pratiques explicites. Je pense que vous allez adorer, n'hésitez pas à y aller, vous allez vraiment le rendre fou. À tout de suite!